Alors, Augusta Marcoux, elle fut institutrice ici, dans cette école, entre 1937 et 1941. Et elle fut, et c'est pour ça aujourd'hui que nous allons l'honorer par un pavé de la mémoire, elle fut surtout une figure héroïque de la résistance bruxelloise. Dès le début de l'invasion par l'Allemagne des autres pays européens, Augusta Marcoux, qui était alors une toute jeune fille, elle n'avait pas 30 ans, et sa mère Bertha sont entrées dans la résistance, mais elles furent dénoncées à la Gestapo et arrêtées en 1941. Pour finir, à Birkenbelsen, en 1945. Là, elles assistèrent toutes les deux à la libération du camp. Ce camp fut libéré par les Britanniques en avril 1945. Hélas, Augusta, à ce moment, avait contracté dans le camp le typhus. C'est ainsi que, très affaiblie, elle est décédée dans l'infirmerie du camp, le 21 mai 1945. Aujourd'hui, je pense qu'il est de notre devoir de mettre en lumière l'héroïsme de simples citoyens qui, à Molenbeek-Saint-Jean comme ailleurs, se sont levés contre ce qui était l'innommable. Quel courage habitaient ces citoyens, dont beaucoup nous restent anonymes aujourd'hui, pour contribuer à bâtir des murs de refus et d'opposition à l'obscurantisme, au despotisme et à la barbarie. Je voudrais, à l'heure où des menaces graves continuent de planer sur le monde et sur l'Europe, que nous mesurions combien la liberté, l'indépendance, la paix que nous connaissons dans notre pays depuis plus de trois quarts de siècle sont l'héritage que nous laissent ces citoyens héroïques. Tous, quelles que soient nos convictions philosophiques, religieuses, politiques, tous, nous avons un devoir très important, transmettre ces valeurs aux jeunes générations, perpétuer la mémoire de résistants comme Augusta Marcoux et toutes celles et tous ceux qui nous permettent aujourd'hui de vivre en liberté. Ce nouveau pavé de la mémoire à Molenbeek qui s'ajoute aux 8 autres qui ont déjà été posés sur le territoire de la commune. En général, les pavés de la mémoire y sont placés à l'initiative des familles et de l'Association pour la mémoire de la Shoah. La Shoah, c'est l'extermination massive des personnes d'origine juive vers les camps de la mort. La symbolique de l'action est d'autant plus importante que nombre de ces personnes, en fait, n'ont pas eu droit à une sépulture digne. Mais ici, le pavé en la mémoire d'Augusta Marcoux sera scellé devant cette école où elle fut institutrice pour rappeler pourquoi cette école porte son nom et qui elle était.